Salut les filles, alors comme je vous ai dit, ma carte va quand même jouer et je vais vous montrer quelques petites astuces pour faire des coiffures. Alors déjà, moi aujourd'hui je vais vous faire, donc elle doit pas être vraiment meilleure. Donc voilà, je vais vous montrer plusieurs coiffures. Donc, hop. Il faut toujours avoir une bonne masse de élastique. Donc hop, je vais défaire ma petite tresse. Hop. Donc pour ceux qui veulent savoir, mes cheveux sont déjà faits, comme j'ai fait la tresse là. Heureusement, donc voilà, ils sont un peu crôlés là. Enfin, un peu ordinaire. J'adore les cheveux comme ça. C'est évident, je peux rentrer dans la chambre. S'il va couper mes envois. Donc voilà, les cheveux sont pas trop longs, pas trop courts. Donc voilà. Voilà, donc déjà, on peut faire. Donc. Vous séparez vos cheveux comme ça. Vous le pouvez bien, vous. Ensuite, je vais prendre un premier élastique. Donc, toujours laisser vos cheveux comme ça. Le mettre au niveau ici. Donc, un peu bas. Donc, ça, c'est la première. Hein. Voilà, vous faites autant de nœuds, donc genre de tour que vous voulez. Et après, vous serrez. Donc, c'est une couette assez basse, en fait. Donc, vous faites même de l'autre côté. C'est mieux que ce soit la même couleur d'élastique, comme moi là j'ai mis la même couleur. J'ai mis du rose, donc du fuchsia, pas rose. Donc voilà, je préviens, c'est toujours important que les tresses, enfin, les couettes hein, soient à la même taille, parce que si vous avez une tresse là-haut, une couette là-haut et une couette là-bas, ça va faire quoi. Donc voilà, vous pouvez faire, ça va très bien en été, donc avec du rouge à lèvres, rose, hein. Voilà, donc vous laissez comme ça, vous les mettre derrière, voilà, donc c'est séparé, hein. Voilà, donc après vous pouvez faire une petite tresse aussi, donc voilà, ça c'est la première coiffure, la deuxième, vos cheveux sont détachés, vous avez tout. Donc je dis bien tout, faites comme ça, vous poussez la main là et hop, comme moi j'ai des petites loupettes là, mais bon, c'est pas grave. C'est pour vous montrer là, pour l'instant. Vous allez faire comme ça. Ensuite, vous allez venir prendre un nœud et attacher une queue sur le côté. Comme ça. Vous attachez sur le côté. Quelqu'un va dans la chambre. Voilà. Alors, voilà, je vais faire que deux nœuds. Vous pouvez faire comme ça. Ou soit vous faites une tresse. Et quand vous avez les cheveux comme ça, enfin, pour onduler, comme j'aime bien. Donc voilà, vous pouvez faire comme ça. Hein. Soit des autres trucs. Voilà. Ensuite, vous pouvez. C'est donc avec un foulard, vous faites une queue, donc ici, je vais pas dire que j'ai pas de foulard, mais je vous explique, vous attachez, donc une queue, vous passez le foulard en dessous de la queue, donc vos cheveux sont là, vous posez le foulard ici, ensuite vous avez le foulard là, vous allez prendre le morceau là, vous allez venir ici et faire un petit nœud là, et comme ça va vous faire un genre de serre-tête, donc vous pouvez lâcher vos cheveux ou faire... des trucs comme ça, donc aussi une coiffure qui est bien, c'est vous faites la queue, donc je suis pas trop en queue et tout ça, donc je m'y connais pas bien, mais comme je veux faire coiffure plus tard, ben, c'est super, donc demain je ferai peut-être une vidéo, donc si j'ai le temps, avec ma maman, comme mon beau-père travaille, voilà. Donc voilà, elle n'est pas très bien faite, ma queue là. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, je vais tout faire en 3. C'est l'Espagne qui a gagné, on va prendre des pétards. Eh oui. Comme moi, j'ai pas les cheveux de la même longueur, je pense que vous avez remarqué, j'ai un dégradé. Hop. Voilà, vous faites votre tresse. Donc, je sais pas très bien sur une tresse, mais je vais faire. C'est ce qui compte, c'est d'avoir des beaux cheveux, aussi un beau maquillage parce que les couleurs du printemps ou du
sa mère. J'arrive pas à parler avec ça. Donc voilà, votre presse. Un peu mal faite, hein, mais voilà. Voilà, donc vous mettez un nœud, voilà. Hein. Ça fait assez joli hein, pour le printemps et tout ça. Donc moi, je vais défaire parce que. Hop, ma maman m'a fait. M'énerve! Donc aussi, ce qui est bien, c'est de faire une queue haute. Donc, faites comme ça. C'est beau aussi avec un short, une queue haute. Je pense que je vais m'en faire une demain. J'aime bien les queues hautes. Chien et c'est une horreur. Donc voilà. Ce qui est chiant avec une queue haute, c'est que vous avez l'air d'avoir les cheveux plus courts. Donc voilà. J'aimerais faire ma queue ici. Et oui, c'est l'Espagne qui a gagné 2-0, je pense. Donc voilà, demain, ma maman me servira de mannequin. Entre parenthèses, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, ma première vidéo. Je vais peut-être faire une vidéo aussi, mais si j'ai le temps, je prends 3 exercices. Hein. Donc voilà, si j'attends, je vous ferai peut-être une petite vidéo.